Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur le sujet des maquettes d'Evangelion, donc Genesis Evangelion, parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas parlé. Puis mine de rien, je me suis rendu compte que dans ma pile de maquettes à présenter, il y avait 2-3 kits que je n'avais pas encore filmés. Je l'avoue, à ma très grande honte, j'avais complètement oublié que j'avais encore ces sujets-là à montrer. Et encore, j'en ai d'autres à faire aussi, qui ne sont pas avec moi pour l'instant. Quand je les retrouverai, bah, j'en parlerai bien évidemment. Donc, j'ai décidé de reprendre un peu ces sujets-là en parlant de cette maquette, une de ces maquettes qui existe d'anges tirées d'Evangelion. Et là, il s'agit du premier ange qu'on voit dans la série, pas historiquement, mais dans la série, le premier ange qu'on voit, que confronte l'Eva de Shinji, bah, c'est Sachiel, qui est donc supposé être le troisième ange. Sachiel qui apparaît vraiment dès le début. Et qui, comment dirais-je, a cette particularité à un moment d'avoir deux têtes. On verra ça tout à l'heure. Et autre particularité, surtout pour cette maquette, c'est qu'en fait, il fait vraiment partie pratiquement des derniers kits qui étaient sortis fin des années 90. Il est sorti très tardivement. Ils avaient sorti toute une panoplie d'Evangelion, d'Eva. Mais pour les anges, il va falloir attendre un petit peu. En fait, pour tout vous dire, et j'en profite d'ailleurs pour vous le montrer, avant ça, il y avait les fameux modèles pratiquement particulier de petite taille qui existait, que je n'ai pas acheté à l'époque, que j'ai trouvé plus tard en vide-grenier. Je vous en ai présenté quelques-uns pour les Eva normaux. Et on va en profiter du coup pour vous montrer ce kit-là. Hop. Qui tient pas debout, donc je vais le tenir. Et donc qui est particulier du tout, mais qui n'était pas si mal que ça. Même si, bon là, les argots n'avaient pas été coupés ni rien. Il a les bonnes proportions. Si on s'arrange de faire un diorama autour, j'imagine qu'on peut le faire tenir debout. Il n'est pas très dynamique, mais il ne l'est pas spécialement dans la série non plus. Et il a un potentiel, voilà. Je dirais qu'il est plus probable de pouvoir l'utiliser que les Eva de la même collection. Et donc il était livré avec la... J'ai choisi de vous le présenter avec les deux têtes. Et sinon, il avait un buste différent pour mettre une seule tête. Voilà, et ça c'est un kit qui mine de rien est difficilement trouvable, qui faisait partie vraiment des tout premiers kits qui étaient sortis en 96. Alors que celui-ci... Alors il marque 97, mais j'ai comme un gros doute. Sincèrement, pour moi... C'était sorti un peu plus tard. Mais bon, on va leur faire confiance. Et je vois d'ailleurs que c'était importé à l'époque par une boîte que je connaissais bien, qui s'appelait One Way. One Way Musical Partner, qui avait importé ça du Japon, qui avait distribué ça donc en boutique française. Et donc, puisqu'on en est à montrer la boîte, bah, l'illustration est sympathique, elle est pas mal du tout, elle est tout à fait représentative du combat auquel on assiste au tout début de la série. Et voilà ce que ça donne monté et peint. En fait, c'est un kit qui est, tout comme les Eva, articulé. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, on le voit en pleine action. Donc, visiblement, il a... ces espèces de pics laser ou je ne sais quoi qui sortent des bras. Et voilà, sans le truchement des photos qui reprenaient les scènes de la série, ce que ça donne. Et comme vous voyez, donc en fait, il est articulé à l'intérieur et le corps est une espèce de gaine en caoutchouc qui lui donne cet aspect, on va dire... un peu pas de métal, mais de pétrole liquide, vivant, ou je ne sais quoi. Et c'est livré comme d'habitude avec deux personnages, ici deux camarades de classe de Shinji dont les noms m'échappent totalement et qui sont écrits en japonais. Ne lisant pas le japonais, je ne peux pas vous dire comment ils s'appellent, quoique je pourrais éventuellement me renseigner, mais
je préfère vous laisser le soin de le faire. Donc, comme je disais, ça fait partie des derniers kits qui étaient sortis à l'époque, en tout cas. Donc, en limited model high grade. Et c'est donc le 11e. Et il était vendu à l'époque, en tout cas, 3000 yens. Et il me semble l'avoir vu en boutique il n'y a encore pas si longtemps. Et je sais que certains kits Bandai sont, pour Evangelion, en vente actuellement par Bandai en France. Donc, il y a de fortes chances que vous puissiez trouver celui-ci ou d'autres modèles d'Evangelion dans vos boutiques habituelles. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la notice, moi je la trouve vraiment magnifique. Donc en plus, ça installe la liste des anges qui ont attaqué la Terre depuis le troisième impact, là, ou le deuxième, je sais plus. Donc le premier ange, ça serait Adam. Le deuxième, ils n'ont pas donné de nom ou inconnu. Le troisième, donc, c'est Sachiel. Ensuite, il y a toute une liste d'anges qui attaquent, j'imagine, dans la série. Bardiel, je le connais, je crois que je l'ai présenté. Je sais plus. Bah oui, le 13e, c'est Bardiel. C'est, en fait, c'est un des Eva qui devient un ange. Et pour le reste, je ne sais plus. Mais bon. Donc, il continue de dire 1997, qui pour moi correspond plutôt à la date d'Evangelion tout court et des premiers kits. Présentation des personnages qui sont livrés avec. Présentation du contexte avec donc l'ange et le début de la série et le conflit avec l'Eva, première sortie de Shinji. Les pièces en présence, on voit ici donc l'espèce de costume ou de, comment dirais-je, de, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, enfin le truc en caoutchouc qui est livré avec. Donc le plus compliqué sera certainement de faire en sorte de monter les pièces articulées, de faire en sorte qu'elles tiennent, parce que une fois que c'est fait, bah ça sera difficile de revenir dessus. On a là les images en couleur qui concernent donc l'ange. Je ne vois pas de possibilité de le mettre avec deux têtes, mais bon, peut-être que c'est le cas. Donc ici on a l'espèce de tenue là où il faut enlever en fait des petits morceaux de caoutchouc. Et je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, peut-être qu'il faut chauffer à blanc une lame ou quoi. Si mes amis et contacts japanophiles peuvent me dire ce qui est inscrit là, ça m'arrangerait. Ici. Et donc une fois tout cela mis dans la tenue, non, apparemment faut mettre les pièces avant. Donc pour la tête. Pour l'espèce de cristal là, qui a surtout tous les anges et du coup les Eva. Et là on a donc les pièces articulées pour les bras et les jambes à placer dans la tenue. Et est-ce qu'il faut mettre quelque chose dedans? Je ne comprends pas trop. Il faut mettre en fait la colonne vertébrale et l'articulation principale après. Wow, ça m'a pas l'air d'être très facile hein, quand même hein. Ni très clair. Mais si ça fonctionne, ça peut être chouette. Donc les bras, les épaules, les pieds. Voilà, et là du coup on a terminé. Ensuite c'est les petits personnages qui sont livrés avec et quelques petits dessins pour terminer. Voilà, et au final on est supposé obtenir ça. Alors qu'est-ce que ça donne? On a la tenue de l'ange ici. Fait très sadomaso. Encore dans son sachet. Au bout de tant d'années, est-ce que ça va tenir? Bon, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller, hein, c'est pas abîmé. On a là un beau petit carton avec une belle illustration pour tenir le tout, ça c'est cool. Le cristal est en fait une pièce chromée rouge. Là, on a les bras et les jambes qui sont, j'allais dire, en dur. Ici, les pinces ou les griffes, comme vous voulez. Et les pics qui sont blancs, par contre, alors dans la série, il me semble qu'ils sont légèrement comme des lasers rouges ou roses. Les figurines là semblent être en dur, hein, c'est pas du mou. Les épaules, les côtes, et je ne vois qu'une seule tête. Donc en fait, l'autre petit modèle qui
proposait l'option d'avoir les deux têtes, elle était pas si mal, cette maquette. Et là, donc, les pièces d'articulation pour ce troisième ange, Sachiel. Donc voilà, c'était la présentation de cet ange issu de Neon Genesis Evangelion. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés. Merci à vous de nous avoir rejoints. On est maintenant quasiment 1400, donc c'est vraiment cool. Coucou aux grands anciens, aux fidèles de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, parce qu'on n'en a pas terminé avec les maquettes Evangelion.